Journée de la gendarmerie pour le respect des valeurs républicaines. Une gendarmerie reconnue, gardien des valeurs républicaines, efficace et professionnelle. Tel est le thème de la journée de la gendarmerie nationale de ce 2 avril. L'événement a été marqué par un rappel des engagements pris par la gendarmerie qui se résument à la sécurité des biens et des personnes. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a réitéré que la gendarmerie a prouvé à plusieurs reprises qu'elle respecte certaines valeurs. Néanmoins, dans l'accomplissement de sa mission, les gendarmes se heurtent à des obstacles d'ordre matériel et au manque d'effectifs. À propos des éléments de la gendarmerie qui ont été mouillés dans des affaires louches, telles que ce qui s'est produit à Mananzar et à Mouramang, des sanctions sont prévues, a indiqué le général Paz Adidier, secrétaire d'État à la gendarmerie. Il ne faut pas oublier néanmoins que ce sont des cas isolés. Notons que les festivités entrant dans le cadre de cette célébration de la journée de la gendarmerie ont été organisées à la Bibliothèque nationale d'Ampéflou.